Hey, salut tout le monde, c'est Kero, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la 15e manche du championnat online multijoueur et direction le Grand Prix de Singapour, voilà sur le circuit de Marina Bay. Et j'ai plein de petites choses avant que de vous montrer les qualifs et la course, j'ai plein de petites choses à vous dire. Déjà, bah, vous, j'espère que vous allez bien, que vous kiffez toujours autant ce championnat sur F1 2016. Et ouais, plein de choses à vous dire. Alors, déjà pour commencer, vous allez vous dire pourquoi 15e manche, il n'y a pas eu la 14e, le Grand Prix d'Italie à Monza, tout simplement bah, parce que j'étais pas chez moi, voilà, donc j'étais parti chez des amis un petit peu pour me changer les idées et tout, et du coup bah voilà, ça fait que vous avez pas eu la 14e course à Monza sur ma chaîne parce que j'étais pas là, et je vais en profiter aussi au montage pour vous montrer le résultat de cette course en Italie. Donc le vainqueur c'est Groom sur Red Bull, voilà, qui m'a remplacé au pied levé parce que normalement il fait partie de ceux qui stream sur le Twitch, ouais, et là exceptionnellement il a décidé de me remplacer, et du coup et bah, il a remporté la course, voilà, GG à lui. Deuxième c'est Skunk Vettek et troisième Wistiti, voilà, pour compléter le podium. Et vous voyez, cinquième place Ben, c'est un nouveau pilote, voilà, qui remplace Krezivik qui était parti du championnat, voilà, sur McLaren, et ça, ce qui fait qu'on est 20 pilotes. Et vous allez me dire, oui, il y a 20 pilotes, mais il y a 3 qui Twitch, c'est un petit peu bizarre, on peut être que 22 en session. Mais comme il y a beaucoup d'absents, les administrateurs ont décidé de quand même de l'accepter. Et voilà, si jamais on est en complet, ben, peut-être qu'il n'y aura que deux qui stream, voilà, pardon, sur Twitch. On verra comment ça se passe. Et vous voyez aussi que le 10e RM Lynx sur Sauber a été disqualifié parce que tout simplement il a été responsable de plusieurs incidents en course, et du coup les commissaires ont décidé de le disqualifier, et du coup ben voilà, il n'y a pas de point de cette 10e place. Et je sais plus si j'ai dit Picsou, mon coéquipier a terminé 7e, voilà, GG à lui aussi. Et aussi vous allez voir aussi, je sais pas si vous le verrez durant cette course, ce Grand Prix de Singapour, il y a un pilote qui s'appelle Weber Raikkonen, et ben c'est tout simplement Iceman Raikkonen qui a changé de gamertag, voilà, qui est sur As, voilà, pour si jamais vous posez la question. Et je pense avoir fait le tour, voilà. Et j'en avais déjà parlé de cela, que j'avais pas pu faire le Grand Prix d'Italie pour sur la COP que je fais avec Iceman, voilà, le championnat en COP. N'hésitez pas à aller le voir. Et du coup, je vais vous montrer l'allocation des gommes pour ce Grand Prix de Singapour. Donc les pneus apportés par Pirelli sont les ultra tendres en violet, les super tendres en rouge et les tendres en jaune. Et c'est un circuit qui consomme pas beaucoup les gommes. Donc voilà, ça, je sais pas encore quelle stratégie je vais adopter. Enfin, si je pense que je vais partir en mélange tendre, voilà, choisir le mélange tendre. Enfin, je verrai comment ça va se passer. Mais je pense que je vais faire ça, ouais. Et puis, écoutez, je pense avoir fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Voilà, si vous avez des questions, si vous aimez toujours ce championnat quoi, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. N'hésitez pas aussi à laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et du coup, bah, je vous laisse pour les qualifications et la course. Ah oui, et dernière chose, j'enregistre ce message vocal juste avant de faire la course parce que vous savez, j'ai l'habitude de le faire après à chaud, après la course. Mais là, j'ai décidé de le faire avant parce que bah, après la course, j'aurais pas forcément le temps, et puis j'avais peur d'oublier des trucs. Donc voilà, j'ai préféré le faire avant. Voilà. Donc là, cette fois-ci, j'ai rien oublié. Et du coup, bah ouais, passez une bonne vidéo. Voilà, profitez bien et préparez-vous comme d'habitude, de quoi boire, de quoi manger, et puis régalez-vous bien. Et on se retrouve dans une semaine normalement pour le Grand Prix. C'est quoi après? Je crois que c'est la Malaisie ou le Japon, je sais plus. Ça doit être enfin, c'est un circuit asiatique en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, ben, on se retrouve dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien tout le monde. C'était Kero et on se dit à très vite. Allez, salut! Jusqu'ici est de 1,59,8.
Pas un pour Calif aussi, on a le droit de jouer, on est sur le final. Super. Ah bah moi je me suis crashé exprès pour pas gêner quoi. Y a pas Wistiti ça devrait aller. Je suis à l'intérieur, Steve. Excuse-moi, Steve. T'es intérieurement au débit, toi. Et là, là, la foire. Ah non, mais il y a des trisomiques maintenant. Mais là, bon, je vous permets pas, ça va, oui. Une fois j'ai touché Picsou, je suis parti en croûte. Putain! Si mal, attention!
Et c'est qui expliquait qu'il y avait des trisomiques 21 en fait? Non, mais pour savoir qui c'est. Ah ouais, quand même. J'espère que t'es bon. Hop. Oh putain. Oh, il prend 40 questions, merde. Oh, j'ai pété la cul. Vous avez le limitateur de vitesse, monsieur? Ouais. Oh. La piste est dégagée, drapeau vert. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. On va en donner plus bas, ça. T'as de la gauche, là. Quelqu'un vient sortir de la piste devant toi. Le drapeau jaune est attaqué à moi. C'est une grosse blague. Restez éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Ah, désolé, Michael. Ok, je vais mettre un heure sur le film.
J'aime de quoi frère, j'ai pas me préoccuper de derrière moi, mais ça va faire un peu. T'as pas eu de casse ou stress? C'est vraiment... Thank you.
Je veux streamer. Ah, brosse. Okay. Ah, bien joué. Bien joué. Je suis pas un fin, je suis bugué. Ça m'a arraché les routes à droite. Et ils m'ont jamais repéré les routes, ces bâtards. Ah merde, ça c'est pas de moi. Mais après, moi je le voyais laguer. Ah oui, laguer. Moi, de ma verte.